Salut tout le monde, c'est GeekTech et aujourd'hui nous allons découvrir le tout dernier microphone de streaming de Maono, le PD100X, qui a aussi une petite touche gaming assez stylée. Alors, découvrons-le ensemble. Mais avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Ce microphone m'a été envoyé par Maono pour que je puisse le tester. Ceci n'est pas un poste sponsorisé et mon avis sera honnête et impartial. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tests de produits de tech. Le Maono PD100X, comme la plupart des produits de Maono, est très bien positionné en termes de rapport qualité-prix pour répondre à tous vos besoins en matière de microphone ou de podcast. Ce micro est vendu aux alentours de 50$, le même prix que le DM30RGB que nous avons déjà testé. Si vous êtes intéressé, consultez les liens dans la description. Commençons par le design. Maono a également un autre microphone appelé PD100 sans le X, et du point de vue du design, ils sont très différents. Cependant, ces deux microphones ont en commun une sortie XLR, contrairement au DM30RGB qui ne dispose que d'une sortie numérique via USB-C. Ce modèle PD100X s'adresse davantage aux gamers et streamers avec son boîtier en plastique qui cache un éclairage RGB gradué. En termes de qualité de construction, le DM30RGB est plus robuste alors que le PD100X semble plus plastifié. En haut, on trouve une grande protection en mousse qui cache le micro. La mousse n'est pas très bien ajustée mais reste en place, même si vous montez le micro à l'envers. À l'avant, il y a un bouton de contrôle qui gère à la fois le gain du micro et le volume des écouteurs. Vous pouvez appuyer pour alterner entre les deux options, bleu pour le volume des écouteurs et blanc pour le gain du micro. Ce micro est conçu pour être monté à l'envers, idéal pour les streamers. En haut du micro, il y a un interrupteur tactile pour couper le son, ce qui est pratique pour éviter tout bruit indésirable pendant l'enregistrement. Lorsque le micro est coupé, l'éclairage RGB s'éteint également pour vous donner une indication visuelle claire. En bas, on trouve une sortie XLR pour ceux qui connectent leur micro à des mixeurs via des câbles XLR. Il y a aussi une sortie numérique USB-C pour se connecter directement à votre ordinateur ou téléphone, et un bouton pour alterner les effets RGB ainsi qu'une prise casque 3,5 mm pour surveiller votre audio. Le Maono PD100X utilise un modèle polaire cardioïde, ce qui signifie qu'il capte principalement les sons venant de l'avant du micro, réduisant les bruits de l'arrière et des côtés. C'est idéal pour le streaming ou les appels en visioconférence où vous voulez que seule votre voix soit entendue. Le micro est facile à configurer. Il suffit de le brancher à votre ordinateur et il est prêt à l'emploi en quelques secondes. Il est également compatible avec l'application Maono Link que vous pouvez télécharger pour Mac ou PC. Cette application vous permet de gérer les réglages du micro. Couper ou rétablir le son, ajuster le gain et le volume des écouteurs, changer la tonalité entre 4 types, profond, naturel, clair et legacy, et ajuster les éclairages RGB. En conclusion, le Maono PD100X est un autre excellent produit de Maono. Il fonctionne comme annoncé, avec des contrôles logiques et faciles, notamment la surface tactile pour couper le son et une qualité sonore remarquable. La seule critique serait la construction un peu trop plastifiée et la mousse protectrice qui pourrait être mieux ajustée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin, d'appuyer sur le bouton j'aime et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. À bientôt.